Hey yo tout le monde, c'est Akuro, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui les amis, comme d'habitude à tous les mercredis, 11h, heure du Québec, 19h, 17h, heure de la France, je m'en mêle souvent avec les heures des lives. Comme d'habitude, pour une vidéo sur la ville de North River, qui est la ville que je construis, aujourd'hui je vais vous présenter l'update de la ville. Donc qu'est-ce que c'est l'update pour ceux qui ne le savent pas? C'est une vidéo où je vous présente plein de petites nouveautés qui valent pas la peine d'être présentées en une seule vidéo. Par exemple un parc, je ferai pas une vidéo d'une visite d'un parc pendant 10 minutes. Ou les avancées de l'aéroport de la ville. Donc à la place de faire une vidéo visite de toutes les avancées, ben je fais une vidéo update. Puis quand l'aéroport va être terminé, ben là je vais faire la grosse vidéo. Donc c'est pour ça que je fais ça, et maintenant on se retrouve sur l'aéroport, sur le serveur, parce que l'aéroport sur le serveur n'a pas été mis à jour. J'ai pas mis à jour les modifications que j'ai effectuées. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que cet aéroport là j'ai commencé il y a peut-être 2 ans ou même un an ou deux. Et j'ai arrêté de... je l'ai buildé pendant un certain temps puis après ça j'ai arrêté. Mais dernièrement j'ai eu un petit coup de motivation en regardant Mr. Crafter qui faisait son aéroport. Peut-être vous connaissez un YouTuber Minecraft. Et j'ai recommencé à travailler dessus. Puis j'ai fait pas mal de modifications, c'est pour ça en fait je voulais vous montrer cet aéroport là. Donc de quoi ça avait de l'air avant, en fait il y a cette aile là, pour vous imaginer un peu que j'ai complètement démoli ainsi que la salle ici. Ça c'est censé en fait être la salle d'attente en fait, la salle où c'est que vous attendez pour aller prendre votre vol. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs c'est que j'ai jamais été dans un aéroport de ma vie, j'ai jamais pris l'avion. Donc c'est un peu à l'aveugle pour moi, j'essaie de m'aider avec des schémas que je vois. Ça d'ailleurs c'est la passerelle qui permet d'accéder à l'avion, donc c'est très... Ben je dirais pas que c'est moche, mais tu sais c'est petit, c'est pas... c'est vraiment pas... tu sais j'ai évolué entre temps aussi. Dans mon niveau de build je pense, ce que j'espère. Ben c'est ça, ça correspond plus à ce que je build maintenant. Donc j'ai complètement démoli ça, la seule chose que j'ai gardé c'est la façade ici. Puis le stationnement à l'arrière vous allez voir. Donc je vais pas rester plus longtemps que ça, et d'ailleurs j'ai gardé l'avion. On va pas rester plus longtemps que ça sur cette map là. D'ailleurs je suis sur le serveur comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez visiter la map de North River, elle est disponible sur le serveur. L'IP et toutes les infos pour rejoindre le serveur sont en description. Vous pouvez même build sur le serveur, il y a une map free build si ça vous intéresse. Donc nous voici dans l'aéroport mis à jour. Vous voyez que c'est très grand, c'est très différent de ce qui était fait avant. Là faites pas attention à cette partie là, ça c'est l'aile où c'est que j'ai construit à la base. Puis elle sera plus là bientôt. Donc là déjà ce qu'on peut remarquer c'est que l'entrée de l'aéroport est différente. Déjà il y a une œuvre d'or ici, je savais pas quoi faire, fait que j'ai fait des petites œuvres d'or comme ça. Il y a une bretelle ici qui permet d'accéder à une espèce de... pas de couloir mais une zone de stationnement ou des choses comme ça. Ça en fait ça sert pour les taxis. Et aussi d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais je me suis inspiré de l'aéroport de Montréal, Pierre-Elliott Trudeau. Pour construire, donc c'est normal que c'est pas du tout pareil comme les aéroports en France. L'aéroport à Charles de Gaulle puis Orly, c'est débile, comment c'est immense. Montréal, c'est quand même un assez petit aéroport de ce que j'ai l'impression. Tu sais, je suis jamais allé à l'intérieur, mais ça a moins l'air imposant que Orly puis Charles de Gaulle, j'ai l'impression. Donc ça, c'est ça, l'endroit où c'est que les taxis attendent et les autocars, ou non, je pense que ça, c'est les limousines dans la réalité. Puis ensuite de ça, ils peuvent aller passer sous la route ici. Puis accéder à la zone de débarquement. Donc ici en bas c'est les gens qui débarquent. D'ailleurs vous voyez l'escalier ici où les gens vont pouvoir débarquer. Donc ça en fait c'est une des 3 ailes qu'il y aura dans l'aéroport. Ça c'est l'aile des États-Unis que vous voyez ici. D'ailleurs j'ai pas encore enlevé l'avion ainsi que la passerelle. C'est assez grand, c'est vrai. Ben, en fait c'est immense, c'est ça le truc. C'est vraiment immense, même à l'intérieur c'est assez grand. D'ailleurs, si ça vous semble vide, c'est normal, c'est que j'ai pas encore mis les équipements, douane, embarquement, toutes ces choses-là. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, d'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire, ceux qui ont déjà pris l'avion, si c'est réaliste. Ben ici, ça c'est les portes normales, donc d'entrée, il y en aura plus un peu par là-bas. Ça c'est l'aile pour aller aux États-Unis. Donc c'est ça, ce que j'ai prévu, ce que je prévois, entre guillemets, faire, c'est qu'un peu plus loin, il y aura les stands pour les kiosques, pour acheter vos billets, l'embarquement, puis tout ça. Puis avant d'accéder à l'aile des États-Unis, ici il y aura comme la douane en fait. Puis d'ailleurs ici il y a le panneau des départs, peut-être je mettrai les petits sièges ici. Donc ici il y aurait la douane qui va permettre d'accéder à l'aile des États-Unis. Ici ça sera fermé, donc je vais mettre un mur ici, je vais agrandir le plancher. Puis, je vais mettre un petit café ici juste pour permettre aux gens d'attendre. Ça va être fermé ici, donc en fait les gens qui vont vouloir aller à l'avion ici vont être obligés de faire le tour par là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne à Montréal dans la réalité de ce que j'ai compris. Ici ça c'est pour que les gens débarquent, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment très ouvert comme bâtiment, beaucoup de vitres, très bien éclairé aussi je trouve, donc je trouve ça assez nice.
Donc c'est ça, un petit café ici, évidemment, comme je disais, je vais élargir le plancher jusque là. Puis on a déjà un petit, bon ici les gens vont pouvoir circuler, ici ça va être les salles d'attente, les cafés, des choses comme ça. On a déjà ici une petite aire d'entrée et de débarquement. Donc vous voyez de quoi ça a de l'air. C'est vraiment pas pareil comparé à ce qu'il y avait avant sur l'aéroport de tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc là, si vous entrez d'ailleurs, comme j'ai, il n'y a rien de fait autour, vous inquiétez pas, tout va être aménagé. Donc exemple, vous voulez prendre l'avion, ben vous entrez par là. Puis vous suivez le petit couloir, ici c'est la petite porte d'évacuation. Puis vous passez dans la petite passerelle rouge ACSBC, je pense la banque, il y a tout le temps ce nom-là sur les passerelles. Et vous arrivez dans l'avion, tout simplement. Puis exemple que vous voulez partir de l'avion, ben là on va aller en volant, ça va aller un peu plus vite. Donc passez dans la passerelle et exemple ici c'est bloqué. Vous montez l'escalier et vous arrivez dans ce couloir-là. Fait que ça permet de ne pas mélanger les gens qui sont en haut et en bas. Ici encore, je vais mettre des petits bancs, des choses comme ça. Et les gens peuvent circuler. Rendu au bout du couloir, ils ont le choix entre un ascenseur. D'ailleurs, j'ai pas mis encore ces choses-là ici. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. On va mettre des petits boutons comme pour faire quelque chose vers Alice. C'est comme si les vitres se soutenaient avec une structure métallique. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous avez le choix entre l'ascenseur et l'escalier, qui est plutôt une longue, mais très longue passerelle pour les fauteuils roulants. Donc vous passez par là. En réalité, j'aurais pu mettre juste des skis mécaniques. Maintenant que j'y pense, hein, je sais pas pourquoi j'ai fait une passerelle. J'ai fait ça en pensant qu'il y avait des fauteuils roulants. Mais les fauteuils roulants, on va pouvoir prendre l'ascenseur. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je vais laisser le même, je trouve ça nice. Mais c'est vrai que c'est un peu long pour ceux-là qui sont obligés de descendre jusqu'en bas. Donc une fois qu'ils sont arrivés en bas, les gens, ici il y aura les carousels à bagages. On imagine que les bagages vont circuler sous l'aile ici. Puis ils vont pouvoir sortir ici. J'ai pas encore complètement aménagé ça, comme vous le remarquez probablement. Donc ça va venir un peu plus tard. Mais je trouvais ça vraiment nice, surtout avec les piliers. J'ai essayé vraiment de mettre le plus d'éclairage possible. Parce que c'est ça le point négatif de Minecraft, c'est que c'est dur d'éclairer dans Minecraft. Mais je pense que j'ai quand même bien réussi, tu sais, j'ai mis des lumières le plus possible aussi que je pouvais en mettre. Des néons là, des néons ici, à la base c'était des petits poteaux de pierre là. Donc ça reste quand même assez bien éclairé, je trouve, j'ai l'impression. Et ici j'ai fait le petit centre commercial parce qu'il y a tout le temps un petit centre commercial dans les aéroports. Et le centre commercial va tourner ici. En fait, je veux dire le couloir, il va tourner, il va venir comme ça. Ça va être vraiment un mini centre commercial. Puis à l'arrière ici, il va y avoir une autre aile ici. Je pense que ça va être l'aile internationale ou peut-être l'aile du Canada. Vu qu'États-Unis, Canada, ça, je pense que ça fonctionnerait comme ça. À Montréal, en fait, il y a une aile seulement pour les départs et les arrivées des États-Unis. Une aile seulement pour les départs au Canada. Et une aile seulement pour les départs internationaux, excepté les États-Unis. Parce qu'avec la proximité, mettons qu'on a pas mal d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc c'est plus simple de faire une aile, j'imagine. Seulement pour ça. Donc c'est ça pour l'aéroport, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a quand même pas mal de nouveautés, j'ai travaillé dessus en live d'ailleurs et en solo. Deuxième nouveauté notable dans la ville, c'est le grand boulevard ici. J'en ai déjà parlé si vous avez écouté la vidéo là, mais ça me tentait de faire une réelle vidéo update, tu sais que je parlais précisément de ces choses là. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de visite de ce bâtiment-là, vous pourrez la voir dans la fiche en haut à droite. Ça, c'est le gros boulevard, en fait, qui vient longer. D'ailleurs, je peux augmenter un peu les chunks, juste un peu. Pas non plus laguer, mais je pense qu'on peut le mettre à 20. C'est le boulevard qui vient longer le centre-ville sur le bord du fleuve. Le fleuve est pas loin dans ce coin-là. Il passe sous le pont Jacques-Cartier aussi. Donc, c'est ça. Il fallait trouver un emplacement pour le terminer. C'est ce que j'ai décidé de faire en live, c'est que ça fait un petit bout de temps pareil que j'ai fait cette courbe-là. L'autre courbe n'est pas encore faite, je vais le faire bientôt en live, ça aussi c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. Et comment je vais terminer ce boulevard-là? Je vais le terminer au tunnel en fait. Le tunnel, ça va être la fin de l'autoroute, il va terminer ici. Je pense pas faire plus d'autoroutes après, il y en a quand même pas mal des autoroutes dans la ville, on va être honnête. Donc l'autoroute va arriver là, le boulevard va arriver là. Probablement je vais juste faire une simple intersection. Donc avec 6 voies, 2 voies de virage à gauche, 2 voies de virage à droite, tu sais, une intersection quand même assez grosse, mais pas me compliquer la tête comme pour une configuration différente. Donc c'est ça pour ce petit boulevard là. D'ailleurs ici il y a un nouveau tunnel, ça, tu sais, c'est des nouveautés que j'ai quand même parlé dans les vidéos visites, mais j'aime quand même en revenir dans les vidéos updates parce que c'est ça les vidéos updates, il faut que je parle de ça. Donc si vous avez le petit tunnel, d'ailleurs je vais revenir un peu plus tout à l'heure. Ça c'est une nouvelle route que j'ai faite qui va monter, j'en avais parlé dans cette vidéo là que j'allais faire cette route là. Donc c'est une route qui va monter ici, qui va passer sur le tunnel. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire là.
soit des bâtiments, soit des un parc, je sais honnêtement pas quoi faire, mais ça risque d'être pas tellement compliqué, tu sais, c'est une fois que t'es là, c'est comme si t'étais sur un monde plat en réalité, malgré que tu peux pas faire de stationnement souterrain. Mais je pense que je devrais pas avoir de problème pour trouver des idées. Ben, si vous avez des idées, en fait, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire. Ça peut être utile. Il y a la montagne ici d'ailleurs qu'il va falloir que je retravaille, il va falloir que je termine le terraforming. Ça, c'était tout du terraforming que j'ai fait à la main. Toute cette partie-là. D'ailleurs, j'ai fait un timelapse. Si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez le voir dans la fiche en haut à droite. Ici, on va avoir un belvédère sur le dessus de la montagne. Je pense pas que je vais le faire plus haut que ça. Probablement, je vais l'arrêter ici. La montagne, là, d'ailleurs, on commence à laguer. Pour avoir une vue quand même sur le centre-ville. Pas avoir trop une grosse montagne, mais je trouvais ça cool d'avoir une montagne au centre-ville. Puis j'aime beaucoup l'intégration que j'ai faite avec l'autoroute comme ça sur le flanc de la montagne. Ça fait penser à l'autoroute 720 à Montréal, pour ceux qui connaissent. C'est le flanc de la falaise. Donc, je trouvais ça assez cool. Puis ça faisait différent de juste faire une simple autoroute suspendue par pilier, c'est comme ici, que j'aurais fait pareil par là. Je trouvais ça assez nice. Puis ici, c'est la bretelle, l'échangeur au centre-ville, pour ceux qui savaient pas. Donc, c'est pas mal ça pour les petites nouveautés du centre-ville. Il n'y avait pas plus que de nouveautés que ça. Même dans la ville, en général, je pense que j'ai quand même pas mal montré de choses quand même dernièrement. C'était surtout l'aéroport qui était une grosse nouveauté à avoir pareil. J'ai pas eu le temps de travailler sur d'autres projets encore, donc c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Les petites nouveautés de la ville ainsi que l'aéroport. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et commenter. Faut être join le serveur Discord qui est en description et aller sur le serveur CubicLand qui est disponible comme je disais tout à l'heure. L'IP est en description. Tout ce que vous avez besoin pour join le serveur est là. Si vous voulez visiter cette magnifique ville, vous pouvez y aller sur le serveur et vous pouvez aussi build avec vos amis sur le serveur. La seule contrainte, en fait, c'est que le serveur est seulement disponible aux versions non crack. Les gens qui ont la version crack ne pourront pas y accéder au serveur. C'est tout simplement pour éviter plein de problèmes. Je ne mettrai jamais mon serveur disponible aux versions crack. Je suis désolé si vous l'avez. Donc sur ce, nous autres on va se revoir dans la prochaine vidéo live. Sur ce, allez, ciao!